Le rappeur a posté sur Instagram que l'affrontement, dans la discipline extrêmement dangereuse où tous les coups sont permis avec son rival, se tiendra au Palais des Expositions en catégorie lourd-léger avec 300 000 € garantis à la clé. La salle de 18 000 places n'a pas encore donné son accord. Les enfants risibles du rap français multipliaient jusqu'ici les provocations et gonflaient les bras sur les réseaux sociaux. Pris le 25 décembre d'une irrépressible envie bellicis, Booba et Kaaris se retrouveront bien sur un ring de boxe, comme l'avait annoncé l'animateur Cyril Hanouna. Les deux rappeurs seront le 5 avril à Bruxelles, au Palais 12, au sein du complexe du Palais des Expositions, dans la catégorie des lourds légers, selon une publication de Booba postée sur Instagram ce jeudi. Dans le même temps, Booba a publié une vidéo où on le voit conduire son véhicule et s'adresser à son rival, Armand, prénom de Kaaris, note de la rédaction, qui va recevoir demain le contrat par ici. Signé par moi-même, à Universal. T'es pas dans le top, ta seule issue c'est la bagarre, fanfaronne le chanteur boulonnais. 300 000 € garantis, c'est le minimum, ajoute Booba. On imagine qu'il veut parler de la récompense attribuée aux gagnants. Une ostentation habituelle chez les rappeurs, dans les clips desquels les Mercedes AMG et les Lamborghini paradent entre deux Kalachnikovs. Le Palais 12 n'a pas encore donné son accord point d'après leur dernière déclaration et selon le hashtag octogone utilisé par Booba ce jeudi, qui renvoie à la forme de la cage, les rappeurs s'affronteront dans la discipline de mar, pratique ultra-violente interdite en France. Et qui nécessite une préparation solide. La catégorie des poids lourds légers correspond aux athlètes autour de 90 kg. Reste à savoir si un arbitre sera invité. On sait que Cyril Hanouna, fidèle de Booba, est dans les starting blocks. Contacté par la radio belge RTBF, l'élu en charge des sports de Bruxelles indique qu'il ne soutiendra pas ce combat, ajoutant que le Palais 12 n'est pas inscrit. Le lieu n'a pas encore donné son accord. Responsable de la programmation de la salle, Fabrizio Gentile a confirmé avoir reçu une demande mais affirme seulement être en train de l'étudier. Le palais peut accueillir 18 000 personnes après avoir annoncé à la cantonade que le combat se déroulerait à Paris à Défense Arena. Booba et Kaaris ont décidé de migrer chez nos voisins belges devant l'interdiction des compétitions en France. La plus grande salle couverte d'Europe, elle, n'avait ni entendu parler d'une demande officielle, et voulait encore moins y être mêlée. Le rire amer des pratiquants de mar coin chez les pratiquants de mar, mixte martial art, une discipline libre où tous les coups sont permis, certains sont perplexes. Encore des vidéos qui noircissent l'image de notre sport, lit-on sur les réseaux sociaux. Le sport est déjà controversé pour sa violence et souvent comparé à un combat de coq. Sur Snapchat, Kaaris a publié début janvier une photo de lui en compagnie de Saladin Parnasse, un combattant professionnel de MMA de 21 ans auréolé de victoire. Kaaris enchaînait ces derniers jours les vidéos provocatrices envers son rival. À coup de, envoie-moi un contrat avec beaucoup de zéros ou avec l'argent du combat, je vais t'acheter un grec, sandwich, kebab, et te le mettre dans les fesses avec beaucoup de sauce piquante. De son côté, Booba, qui n'a peur de rien, a publié un montage photo où son visage remplace celui de Beethoven, dans le tableau de Joseph Carl Pivet peint en 1820. Le 3 janvier, Booba a diffusé une fausse bande-annonce intitulée Orly 2. 0. À
avec ses mots pour faire monter le suspense. Ils auraient pu dominer le monde du rap, mais l'inévitable arriva. Le réchaud courait dans la zone d'Intiti de l'aéroport francilien du mois d'août qui est érigé fièrement en fait d'armes. Ils ont été condamnés début octobre à 18 mois de prison avec sursis. Ils avaient effectué dans la foulée 3 semaines de détention provisoire. Le tribunal correctionnel de Créteil a prévu une audience le 17 janvier pour estimer les dommages et intérêts que leur escarmouche justifie. Elle avait occasionné 50 000 euros de dégâts.